Et dans les années 80, quand on s'intéresse un peu dans les nouvelles littéraires, enfin, on s'intéresse un peu à l'actualité, qu'on fouille un peu dans les librairies, il y avait un retour sur Henri Calais, un auteur que je ne connaissais pas. Moi, j'étais dans Alexandre Vialat, et je me suis intéressé, donc j'ai découvert Le Tout sur le Tout, La Belle Lurette, puisque j'habitais Paris en plus, parler de Paris, donc ça me touchait en tant que Parisien. Et quand j'arrive à Vence, après je découvre qu'Henri Calais est décédé à Vence, est venu faire des séjours, qu'il a donc traversé nos ruelles, nos places, qu'il a fréquenté nos cafés, nos restaurants sans doute. Et je me suis dit, mais non, mais c'est incroyable. Et en plus, il est enterré à Vence. Je me suis dit, mais quelle coïncidence, enfin, quelle rencontre incroyable. Un auteur qu'on chérit et qu'on affectionne particulièrement, et qui est maintenant dans la ville où vous venez de vous installer, qui est mort. Alors, il y a un attachement d'autant plus grand à cause aussi de cela, de ses résidences en soi, du fait qu'il soit décédé ici, dans cette ville dont je suis maintenant résident depuis 35 ans. Donc, il y a un lien particulier, personnel en tout cas, très fort avec cet écrivain. Et donc, j'ai rencontré Patrice Delbourg déjà l'an dernier, puis cette année un peu plus. En discutant, on s'aperçoit qu'on a un peu les mêmes, beaucoup de goûts littéraires communs. Et on s'est dit, pourquoi pas tenter l'impossible, faire quelque chose autour d'Henri Calais. Voilà, je vais lui laisser la parole pour que vous y continuiez un peu sur cette présentation de cet auteur. Voilà. À moi, c'est une vieille affection, Henri Calais, qui remonte à une trentaine d'années, avec la découverte, le premier texte lu, c'était La Belle Lurette, qui est un texte magnifique sur son enfance, un texte très fraternel, très tendre, mais en même temps extrêmement rude, très, très âpre, mais avec une belle langue croquante, très, très soyeuse. C'est vraiment d'abord un grand écrivain, un joli style. Et bon, moi je suis vansois, ma famille est vansoise, bon... Ma maison, on peut la voir en se penchant ici. Je suis à 20 mètres de la médiathèque. Et il y a 15 ans, on avait voulu faire ici une présentation d'un bouquin que j'avais écrit qui s'appelait « Signe particulier endurance », qui était une fiction qui se passait au cadran solaire, donc à 50 mètres ici, et qui racontait l'époque, l'âge d'or des sanatoriums, lorsque Henri Calais, Albert Parraz, jadis Laurence, jadis René Crevel, André Gide, Dubuffet, Prévert, enfin il y avait... C'était vraiment le centre culturel de la France, Vence, parce que l'air était très clément, les baous étaient très apaisants, très, très protecteurs, et on venait à Vence pour se refaire une santé. Et donc ça m'avait plu, on avait donc présenté ce bouquin il y a 13 ans, et ça cheminait dans ma tête, parce qu'en plus, Calais est enterré à 50 mètres de mon père et de ma mère, au cimetière. Donc, ses parents étaient commerçants, comme les miens. Il est très amoureux de Paris, du bitume de la capitale, comme moi. Il a été journaliste, comme je l'ai été. Il a travaillé aux Nouvelles Littéraires. J'ai commencé ma carrière aux Nouvelles Littéraires. Donc, il y avait plein de choses qui me plaisaient. Et puis aussi, son côté un peu voyou, un peu fantasque, bon... C'est quelqu'un qui présente comme ça, comme un auteur un peu NRF, extrêmement strict, extrêmement dandy, un peu déjanté, mais en fait il a un petit côté un peu voyou, un petit peu renégat, rebelle, qui n'était pas pour me déplaire. En plus, il avait un engagement dans une gauche humaniste aux côtés d'Albert Camus dans Combat, qui n'était pas pour me déplaire non plus. Donc voilà comment c'est devenu un cousin, et puis doucement, une espèce de frère de un compagnon de route, voilà. Il est heureux d'ouvrir ce 9e salon du livre par un retour sur l'enfant de Ménilmontant, devenu écrivain hybride, ami de Dubuffet et de Prévert, grand journaliste au talent singulier et toujours proche des humbles.
Henri Calais, mort le 14 juillet 1956 à Vence, à l'âge de 52 ans, repose depuis 65 ans non loin dans la concession 893 du cimetière. C'est exact. Concession achetée le 24 juillet 1956 par Christiane Martin Dugard, sa dernière compagne, pour y fonder la sépulture de Raymond Barthelmès, dit Henri Calais, et d'elle-même. Un grand merci à Lyra Vence, à Claude Joyard et Claire Véra de donner à redécouvrir Henri Calais dans les grandes largeurs pour savoir enfin le tout, sur cet auteur inclassable. Dès demain et jusqu'à dimanche, vous n'aurez pas d'autre choix que de lire. Vence, une ville en poésie, est heureuse d'accueillir ce nouvel opus de ce festival des mots, de livres, de lectures, de rencontres avec des œuvres, des lecteurs et des auteurs. Un plateau d'invités et de talents venus rencontrer les Vensois. Grâce à la passionnée Claude Joyard et la fabuleuse équipe de Lire Avance, notre ville a fait une rentrée littéraire synonyme de découverte, de surprise et de coup de cœur. Le rituel automnal et littéraire si français s'annonce passionnant, avec 521 livres. Pour les acteurs de la chaîne du livre, la rentrée est un enjeu économique majeur, avec en ligne de mire et dans le prolongement des prix littéraires, les cadeaux de fin d'année. Les titres de l'automne génèrent entre 15 à 20% des ventes de fiction en grand format. Une rentrée toujours excitante avec des valeurs sûres, des écrivains non moins essentiels, mais aussi des voix débutantes, de parfaits inconnus, des primo-romanciers, et autant de points de vue, d'expression, de liberté de parole, de diffusion de pensée et de culture. Car lire, c'est s'interroger sur le monde actuel. C'est comprendre plutôt que juger. C'est s'ouvrir à la curiosité. C'est mettre des mots sur des choses dont on ne parle pas. À la médiathèque, on le sait bien. Lire, c'est vivre. Alors vivez, lisez, cultivez-vous. Tous à la lecture et au festival littéraire ce week-end au Grand Jardin.